Il pleure dans mon cœur. Paul Verlaine, poète français, est né à Metz le 30 mars 1844. Passionné de dessin et de littérature, il écrit des vers et des nouvelles. À 21 ans, il écrit des articles élogieux sur Charles Baudelaire et Victor Hugo. Il fréquente les cafés et salons littéraires parisiens. Puis, en 1866, il publie les « Poèmes saturniens » et en 1869, « Les fêtes galantes ». Il fait la connaissance d'Arthur Rimbaud qui va bouleverser sa vie. Il le blessera d'un coup de revolver et sera condamné à 2 ans de prison. À partir de 1887, malgré sa célébrité, il plonge dans la misère et meurt le 8 janvier 1896 à Paris. Il pleure dans mon cœur. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi ? Nulle trahison ? Ce deuil est sans raison ? C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Voici quelques questions pour savoir si tu as tout compris. Première question. Quel est le sujet traité dans ce poème? Deuxième question. Quelle répétition de sons, rimes, te marque le plus dans ce poème? Explique pourquoi en donnant des exemples. Troisième question. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Apprécier un poème en écoutant sa musicalité, sonorité, ou l'écouter pour le comprendre? Justifie ta réponse. Quatrième question. Peut-on aimer un poème sans le comprendre? Pourquoi, à ton avis? Cinquième question. Est-ce que la lecture de ce poème te donne du plaisir? Dis pourquoi. Sixième question. Penses-tu que ce poème peut être mis en musique? Pour quelle raison?
Voici quelques questions pour voir si tu as tout compris. Première question. Quel effet cela fait lorsque tu entends la version audio de ce poème? Deuxième question. Qu'est-ce qui t'a marqué dans la version audio de ce poème? Troisième question. Est-ce que cela change quelque chose par rapport à ton appréciation d'avant du même poème ?